السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour à tous, dans ce nouveau cours de la chaîne General Culture One TV. Dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la conjugaison et les types de conjugaison. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la conjugaison et les types de conjugaison comme titre de notre cours. Assalamu alaikum wa marhaban fi darsin akhar min durus qanatikum General Culture One TV. اليوم ان شاء الله ساشرح لكم تصريف الافعال في اللغه الفرنسيه وانواع التصريف. اليوم إن شاء الله سأشرح لكم تصريف الأفعال في اللغة الفرنسية وأنواع التصريف. Qu'est-ce que la conjugaison? C'est le titre de notre cours d'aujourd'hui que je vais vous expliquer maintenant. ما هو تصريف الأفعال في اللغة الفرنسية؟ Une petite explication de la parole conjugaison. La conjugaison, c'est l'ensemble des formes que prend le verbe selon des formes ou des règles. Ça veut dire, s'il est un verbe du premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe, s'il est du mode indicatif ou subjonctif, s'il est du premier, deuxième, troisième personne, du singulier ou du pluriel. تصريف الأفعال أو التصريف في اللغة الفرنسية هو مجموعة من الأشكال يتميز بها الفعل عند صرفه طبقا لقواعد تصريف الأفعال أو التصريف في اللغة الفرنسية هي مجموعة من الأشكال التي يتميز بها الفعل عند صرفه طبقا ل les personnes première deuxième, troisième, du singulier ou du pluriel. La forme des personnes. Ces personnes peuvent être du premier, de la deuxième, de la troisième personne, du singulier ou du pluriel. Ça veut dire première personne, je. Deuxième personne, tu. Troisième personne, il, elle, sans s. Ça veut dire du singulier.
Et le pluriel, ça veut dire la première personne, deuxième, troisième personne du pluriel. Nous, vous, il avec S et elle avec S. الضمائر أو الأشخاص في اللغة الفرنسية. الشخص الأول je. الضمير الثاني tu. الضمير الثالث il, elle. بالنسبة لصيغة المفرد. هذه الضمائر ضمائر صيغة المفرد. je. Tu, il, elle. Wa, nous, vous, il, elle, avec un S à la fin, binisbati, lisirati, al jamais. Naam, la première forme, c'est les personnes. Première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier ou du pluriel. La conjugaison est l'ensemble des formes. La première forme peut être les personnes. Première personne, deuxième, troisième, du singulier ou du pluriel. الشخص الأول je, الضمير الثاني tu, الضمير الثالث il, elle. بالنسبة لصيغة المفرد. و nous, vous, il avec s. Elle avec S, binisbati lisarati al jamais. La deuxième forme, c'est les temps. Les temps sont présent, le verbe peut être conjugué au présent, au passé, ou au futur. Les temps sont présent, passé, futur. أزمنة صرف الفعل في اللغة الفرنسية هي الحاضر, le présent, الماضي, le passé, والمستقبل, le futur. Les temps. Les verbes en français peuvent être conjugués au présent, au passé, ou au futur. La troisième forme, c'est les modes. Les modes de la langue française. Le mode peut être indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif et participe. Ça veut dire que la troisième forme, les verbes peuvent être conjugués au mode indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif et participe que je vais expliquer là-dessous en arabe. صيغ الأفعال في اللغة الفرنسية. صيغ الأفعال في اللغة الفرنسية. L'indicatif. L'indicatif. وتسمى باللغة العربية الصيغة الدلالية. Subjonctif, المضارع المنصوب. Conditionnel, الجملة الشرطية. Impératif, صيغة الأمر. Participe, اسم الفاعل أو المفعول. Ça veut dire que les verbes en français peuvent être conjugués à l'indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif, participe, qu'on va voir dans les prochaines leçons ou des prochains cours, Inch'Allah. Anwa'u sarf al-af'al fi al-faransiya. Anwa'u sarf al-af'al fi al-faransiya. Les types de conjugaison. Les types de conjugaison. On a l'auxiliaire, les auxiliaires, la conjugaison en langue française, dans la langue française, se base
sur deux auxiliaires qui sont avoir, être. Leur traduction en arabe, c'est al-af'al al-musa'ida. Fa'al yamsaliku, fa'al kana. يعني اللغة الفرنسية في أساسها تبنى على فعلين أساسيين في تصريف الأفعال وهما avoir et être. وسنقوم في المستقبل إن شاء الله في دروس في المستقبل بتصريفهم. نعم هذا شرحنا في هذه المرحلة لي طون لا فورم دي طون اي لا فورم دي مود. لي طون كي سون بريزون باسي فيتور لي مود كي سون انديكاتيف سوبجونكتيف كونديسيونيل امبيراتيف اي بارتيسيپ كون فوا اكسبليكي بروفونديمون دون دي بروشان كور اي فوز علي ان شاء الله comprendre, les comprendre bien. Les verbes en langue française se divisent en trois groupes, en trois catégories. Les verbes en langue française, en français, se divisent en trois groupes. الأفعال في اللغة الفرنسية تنقسم إلى ثلاث مجموعات هي. Ça veut dire que des verbes en français, il y en a des verbes du premier groupe, de la deuxième groupe, de la troisième groupe. الأفعال في اللغة الفرنسية تنقسم إلى ثلاث مجموعات هي. Premier groupe, le premier groupe. Les verbes dans l'infinitif se terminent en ER. Toujours, les verbes qui appartiennent au premier groupe se terminent par ER. Premier groupe contient toujours les verbes dont l'infinitif se termine en ER. المجموعة الأولى هي الأفعال التي صيغة مصدرها تنتهي بـ ER. ER. Tous les verbes qui se terminent avec ER appartiennent au premier groupe. Deuxième groupe, le deuxième groupe, c'est les verbes qui sont ou qui se terminent en IR. IR. Tout. Les verbes, ou généralement les verbes du deuxième groupe, se terminent avec IR à la fin. المجموعة الثانية هي المجموعة التي تتكون من أفعال تنتهي صيغة مصدرها بIR. IR. الآن سأقوم بشرح يعني le troisième groupe, ce sont des verbes qui appartiennent ou appartiennent à ce groupe. Tous les verbes irréguliers, al-af'al al-ghayr qanouniya, les verbes du troisième groupe sont tous les verbes irréguliers. المجموعة الثالثة تنتهي أو تنتمي إلى هذه المجموعة كل الأفعال الغير قانونية les verbes irréguliers. Le troisième groupe se compose des verbes irréguliers. Les types de conjugaison. Dans cette étape, on va discuter ensemble les types de conjugaison.
أنواع الصرف في اللغة الفرنسية. أنواع الصرف في اللغة الفرنسية. La langue française se base, comme j'ai déjà dit auparavant, sur deux auxiliaires aux deux verbes. Le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, et l'auxiliaire être. وترجمتهما باللغة العربية avoir c'est فعل يمتلك être فعل كان. Les verbes qui appartiennent au premier groupe et qui se terminent par ER. Les verbes qui appartiennent au premier groupe et qui se terminent par ER. Comme j'ai déjà dit que les verbes du premier groupe se terminent toujours avec ER. Et je vais maintenant donner des exemples. Après que je fais la traduction de cette phrase en arabe. المجموعة الأولى التي تتكون من الأفعال التي تنتهي أو مصدرها ينتهي ب ER. المجموعة الأولى, le premier groupe. Maintenant, je commence à vous donner quelques exemples des verbes du premier groupe. Jouer, créer, avancer, baisser, appeler, peler, acheter, envoyer, saigner, manger. Ces types appartiennent au premier groupe. Je répète, jouer, le verbe jouer, créer, avancer, baisser, appeler, peler, acheter, envoyer, saigner, manger. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR. Comme j'ai déjà expliqué que les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. المجموعة الثانية تشمل هذه أو تتكون هذه المجموعة من الأفعال التي مصدرها ينتهي ب IR مثل Maintenant je vous donne quelques exemples finir et haïr. سأعطيكم مثلا للأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثانية والتي مصدرها ينتهي ب IR finir haïr. Troisième groupe, les verbes qui appartiennent au troisième groupe se terminent par O, I, R, O, O, I, R, IR, O, OIR. Tous les verbes de la troisième groupe se terminent toujours ou généralement par IR, IR, O, OIR, WAR. المجموعة الثالثة وهي المجموعة التي تتكون من الأفعال التي مصدرها ينتهي ب IR, IR, أو OIR, WAR. المجموعة الثالثة هي المجموعة التي تتكون من الأفعال التي مصدرها ينتهي ب IR أو WAR. Example, أمثلة للأفعال التي تنتمي إلى هذه المجموعة الثالثة. Ouvrir, fuir, dormir, mentir, servir, acquérir, jaisir, venir, courir, ouïr. Je répète pour une deuxième fois les verbes qui appartiennent au troisième groupe. Ouvrir, fuir, dormir, mentir,
servir, acquérir, jaisir, venir, courir, ouïr. Dans la science d'aujourd'hui, ou dans le cours d'aujourd'hui, je vous ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire la conjugaison. J'ai donné une petite signification de ce qu'on appelle la conjugaison de la langue française. Et on a étudié aussi les types de conjugaison en langue française. في درس اليوم قمت بشرح مبسط لتصريف الأفعال في اللغة الفرنسية وأنواع الصرف كذلك في هذه اللغة الفرنسية. Après cette petite récapitulation, petite synthèse, لكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup et à la prochaine, inshallah. À la prochaine leçon de la chaîne General Culture One TV. Inch'Allah. Wassalamu alaikum.